Mille et une vies en consulat, nos confidences. Voyage. Expatriation. Mariage et naissance à l'étranger. Adoption internationale. Consulat. Aide à la mobilité. Vie à l'étranger. Bourse et scolarité. Élection et vote à l'étranger. Visa. État civil. Protection des personnes. La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous propose une plongée au cœur des services consulaires pour découvrir les missions des femmes et des hommes qui sont et font France Consulaire, le service public français à l'étranger. À travers cette série sur la vie en poste, nous découvrons leurs expériences vécues durant leur mission à l'étranger, des moments sur le terrain remplis de surprises et d'émotions, loin des clichés sur la vie diplomatique. Dans cet épisode, écoutons de nouvelles confidences. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre carrière ? Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 42 ans et je suis entrée au ministère en 2008 par la voie du concours externe de secrétaire de chancellerie, donc catégorie B. Alors moi, j'ai eu deux affectations à l'étranger, la première à Montevideo, en Uruguay, et la deuxième à Port Vila, au Vanuatu, qui se trouve à côté de la Nouvelle-Calédonie. Quelles étaient vos principales missions ? Dans ces deux postes, j'ai occupé un poste qu'au ministère on appelle triple casquette. Ça consiste en fait en trois fonctions différentes. La première, c'est chef de chancellerie, une fonction dans laquelle, basiquement, on s'occupe essentiellement de la communauté française et de son administration, ainsi que des visas. On occupe un deuxième poste qui est le poste de secrétaire général d'ambassade. Alors là, c'est plutôt un poste de chef d'administration. On va s'occuper du fonctionnement de l'ambassade, les contrats, la DRH, l'immobilier, les prestataires, le budget. Et puis, il y a une troisième fonction qui est un peu moins connue, c'est celle de régisseur, où là, on est responsable de la régularité de la dépense de l'ambassade. Quels défis et réussites ont marqué votre expérience ? Alors à Montevideo, en Uruguay, en termes de défis, moi j'étais marquée par la visite présidentielle du président. Donc, c'était à la fois un challenge, parce qu'on était une petite équipe de 19 agents. Et puis ça a été vraiment une expérience où l'ambassadeur nous a donné beaucoup de responsabilités et nous a fait confiance et c'était vraiment une réussite. C'était passionnant de recevoir les précurseurs, donc les agents du protocole de l'Élysée et puis ceux de la sécurité du président qui viennent un mois avant la visite. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Au Vanuatu, des expériences un petit peu différentes. C'est un pays qui est marqué par un isolement géographique fort et puis des conditions d'exposition aux catastrophes naturelles. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que moi, j'étais très marquée par le passage du cyclone Harold à Santo. Parce que c'est un cyclone de catégorie 5 et vraiment quand on a survolé l'île avec le chef de poste deux jours après le cyclone, en fait il en restait rien, donc on passe d'une île luxuriante à une végétation complètement rasée. Et donc là c'est vrai que ça avait beaucoup de sens et en fait c'est un peu pour moi le sens de notre activité à l'étranger, voilà, de venir assister la communauté française et puis pour la partie plutôt chancellerie, de venir aider l'État vanouatais à se relever un petit peu du passage du cyclone. Auriez-vous une musique ou un plat à partager à nos auditrices auditeurs qui vous rattachent particulièrement à votre vie à l'étranger ? Alors moi, il y a une petite musique que j'aime bien. C'est une musique qui est celle des orchestres de string band au Vanuatu. C'est une musique assez populaire. C'est un petit orchestre avec que des hommes qui chantent avec des voix très aiguës. Et des instruments de fortune, des bouches basses, une sorte de contrebasse qui est faite avec une seule corde et une caisse. Et en fait, c'est un petit orchestre qui accueillait les passagers dans le tout petit aéroport de Port Vila. Donc, c'est une musique qui a marqué à chaque fois mes arrivées, mes retours. Et je trouve que c'est une musique qui est vraiment est pleine de joie et qui représente bien ce pays. Qu'on parle souvent en disant que c'est le pays le plus heureux du monde.
Et l'événement consulaire survenu pendant vos années à l'étranger, retenez-vous. J'ai plein d'anecdotes qui me viennent en tête. C'est vrai que quand on est en poste, on est amené à rencontrer des profils qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans nos fonctions en France, des ministres, etc. Et puis, ça peut être le cas même dans son activité consulaire, parce que moi, par exemple, à Montevideo, je me suis retrouvée dans mon bureau avec Edinson Cavani, qui est l'attaquant star à l'époque du PSG, et qui venait faire un visa pour sa compagne. Donc, 30 minutes avec ce grand monsieur du football, et qui était vraiment une personne très simple, et puis qui, par la suite, d'ailleurs, est revenue à l'ambassade. Donc voilà, ça, c'est des anecdotes qui sont assez sympas à vivre. Pour finir, pourriez-vous nous expliquer quel était l'impact de cette mission sur votre vie professionnelle ? Les postes de triple casquette sont souvent dans des petits postes, même si ce sont des ambassades de plein exercice, et ce n'est pas forcément des postes qui sont très exposés, on va dire. Pourtant, moi, je trouve que ce sont des postes qui m'ont beaucoup appris, beaucoup donné en termes d'expérience, de confiance. On est amené à gérer des choses imprévues, évacuer l'ambassade pendant un tsunami. On est amené à être chargé d'affaires, peut-être plus souvent que dans des grandes ambassades. Donc, chargé d'affaires, c'est avoir simplement la charge de l'ambassade en l'absence de l'ambassadeur et ou de son numéro 2. Finalement, c'est la personne qui est le plus gradée au sein de l'ambassade qui prend les fonctions du chef de poste et qui les exerce pendant un temps donné, pendant son absence. Et ça, c'est des choses qui m'ont servi pour passer les examens de grade du corps de secrétaire de chancellerie et progresser dans ma carrière. Merci pour ces confidences. C'est la fin de Mille et une vies en consulat, nos confidences, un podcast proposé par la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Pour ne rien rater de notre actualité, vous pouvez vous abonner à nos réseaux Facebook, Twitter ou LinkedIn. On se retrouve très vite. À bientôt.